Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre objectif donc cette semaine, donc l'objectif de ce tirage et l'objectif du tirage de la semaine sur tous les thèmes principaux, donc pour la semaine du 10 au 16. Voilà. Donc voilà ce qui est ici noté. Alors on va commencer tout de suite avec, donc j'ai utilisé les cartes de tarot. Alors celles-là sont énormes, c'est vraiment les tarots traditionnels et qu'on nous avait offert de bon cœur. C'est pour ça que je les utilise, elles font partie des premières cartes que l'on m'a offert et voilà, et j'aime bien les utiliser à bon escient. Puis je n'aime pas jeter, hein, garder uniquement les nouvelles cartes, etc. Moi j'aime bien recycler. Bref, on commence. Là, ici même, nous aurons le point de vue sentimental. Cette semaine, on a le roi de denier. Ok. Alors, il va être question ici, bien sûr, de plusieurs choses. Alors, je regarde. Il va être question d'avoir beaucoup de succès. Beaucoup de succès dans le domaine sentimental. Il va être question aussi, ça peut être votre autre qui a beaucoup de succès et vous voulez vraiment vous démarquer. Alors, ça, c'est les relations sociales. En termes de relations sociales, j'ai l'impression que vous savez compter sur la valeur. Peu d'amis, mais discret. La relation, ici, c'est la carte... donc, on a professionnel. Non, professionnel, ça va être ici. Sentimental, social, les défis, voilà. Donc, la reine de coupe. Avec les défis, il va être quelque chose, il y a quelque chose qui est lié à la maternité. Ça peut être vous, si vous êtes une mère, ça peut être la mère. Voilà, il y a quelque chose, un défi sur la maternité. Après, on va chercher plus. Sur la vie professionnelle, on a un valet de bâton qui est ici inversé. Alors, j'ai l'impression que professionnellement, vous avez envie de fuir un entourage qui serait trop superficiel. C'est pas quelque chose que vous supportez, en fait, en quelque sorte. J'ai un message, alors, ça, mes cartes s'adressent à tout le monde, mais j'ai un petit message, tout petit, supplémentaire, pour les Sagittaires qui auraient peut-être moins de 25 ans. Ou alors si vous êtes vraiment parents Sagittaires, pourquoi pas. Il y a des questions intéressantes sur le fait de finalement se rendre compte qu'il y a eu, des certaines manipulations. Il y a aussi ce fait d'à savoir écouter l'expérience, la voix de l'expérience. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer. Maintenant, de manière générale, on peut voir qu'il y a des choses intéressantes qui vont parler de votre foyer. On voit que sur votre foyer, votre vie privée, vous êtes assez pragmatique. Vous allez avoir, on va dire, je pense, quand même des bonnes nouvelles, des bonnes surprises côté sentimental. Ça, c'est très important. Par contre, c'est vrai que vous pourriez faire attention parce qu'il pourrait avoir, alors si vous avez un héritage, il pourrait avoir de la manipulation, quelque chose comme ça. Donc on vous incite un petit peu quand même à vérifier toutes ces choses-là. On a ces deux deniers ici, roi de denier et l'as de denier. Donc les deniers, ça représente des choses concrètes, des choses matérielles. Pour moi, concrètement, matériellement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer sur des bonnes choses. Alors, il y a peut-être des communications à distance, hein, des courriers, des nouvelles, notamment avec quelqu'un qui serait à l'étranger. Mais c'est une communication, ou alors très loin, géographiquement, c'est une communication qui apporte la clé, la solution. Pour les couples aussi, il va être question de s'engager. Il va être question de s'engager. On a une des personnes dans le couple, la polarité masculine, qui va accepter l'amour offert par l'autre personne. Il y a quelque chose d'important. Ça peut être aussi un emménagement en commun ou un agrandissement de maison. Mais il y a quelque chose, on voit deux personnes qui ont le cœur ouvert, deux personnes qui s'entendent bien, deux personnes qui peuvent s'unir. Et qui peuvent être, vous savez, les couples amitié-amour. Voilà, des choses qui fonctionnent comme ça très joliment. En tout cas, il y a une clé, il y a un déblocage. Il y a quelque chose d'important sur votre destinée qui va concerner le domaine matériel. Hein. Il y a quelque chose qui ressort ici.
regardait. On a aussi certains changements. J'ai ce sentiment que, au niveau de l'amour, c'est vrai que vous aviez beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui essayent de vous dissuader d'aller vers cet amour, qui vous disent que vous êtes un peu crédule, etc. Et ça sera le don de vous énerver. Parce que vous êtes une personne passionnée et vous aimez pas trop qu'on vous dise, bon, ce qu'on peut comprendre, hein, ce que vous avez envie de faire. On voit aussi clairement que avec les années, avec le temps, on reconnaît les vraies amitiés. Donc on voit des vrais amis, des amitiés profondes et sincères qui sont toujours là, qui sont toujours disponibles. Il y aura quand même des discussions sur un héritage, des choses comme ça, savoir qui mérite, etc. Donc je pense que parler avec le cœur, c'est ce qui va être le plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, avec le valet de bâton, on peut voir qu'il y a une frustration. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour pour une personne et qu'il y a quelqu'un qui est frustré ou des personnes dans le domaine du travail de vous voir amoureux et qui ne comprennent pas votre passion pour cette personne. Donc, ça aura franchement le don ici de vous énerver parce que vous allez vous dire « Mais que souhaite finalement cette personne ?» Voilà, donc je pense qu'on a plusieurs personnes même. Bon, et des personnes qui agissent pour vous vraiment de façon ici immature. Alors, on continue, mes amis les Sagittaires, avec les cartes du dessous, donc les oracles des miroirs, pour essayer de comprendre, d'analyser, etc. Alors, on commence. Sous le roi de deniers. En termes d'amour, il y a une personne qui a, voilà, qui a énormément de sentiments pour vous. Vous aimeriez vous faire le point, mais cette personne fait vraiment partie de votre chemin. Donc retard. Voilà. Avec cette personne, il y a toujours du retard dans le début de quelque chose. Mais il n'y a pas vraiment de défi. Il y a une naissance quand même. Ça y est, il y a une naissance. Il y a une certaine distance aussi pour certains, il y a peut-être enfin l'occasion de pouvoir emménager avec cette personne, de suivre cette personne qui fait, voilà, qui souhaite vraiment que vous la suivez. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, les rapports sociaux. Avec l'as de denier, on voit que vous prenez le temps pour avoir des amis, vous prenez le temps. Voilà, parce que carrefour, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans vos tâches, dans vos activités, mais vous voulez un petit temps d'aparté pour l'amitié. Donc, c'est vrai que pour certains, si vous avez des enfants, c'est pas la bonne semaine, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a aussi quand même cette protection, ce bouclier. D'une certaine manière, vous imposez votre temps et c'est aussi une façon de vous protéger pour ne pas toujours dépendre des autres, dire oui, 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 et puis finalement, vous vous sentez obligé. Alors, on va regarder les défis. Pour vous, le défi, hein, pour moi, qui c'est le plus important, c'est l'amour, en fait. C'est de prendre le temps qu'il faut en amour, etc. Peut-être pour certains, c'est d'avoir des enfants, de pouvoir évoluer, etc. Donc effectivement, on sent qu'il y a eu une trahison amoureuse, il y a eu quelque chose qu'il faut dépasser. Ouais, vous allez la dépasser sans problème parce qu'il y a la victoire. On peut vous faire culpabiliser d'avoir retourné une situation à votre avantage, mais vous vous en fichez. Voilà, continuez à vivre pour l'amour. Le valet de bâton, au niveau professionnel, ouais, bon. Il se peut aussi que vous auriez des difficultés si vous devez vivre avec quelqu'un de votre famille, travailler avec quelqu'un de votre famille, etc. Ouais, la famille, regardez. Ouais. Il y a un travail à faire ou il y a quelque chose. Ça peut être l'argent aussi lié à la famille. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir un cadeau, un geste, et c'est une protection aussi. C'est une protection. Alors pour moi, ça peut être aussi une personne de votre famille qui vient au niveau financier, parce que le travail peut être aussi le financier. Vous vous dites... Pourquoi cette personne-là? Mais cette personne est vraiment comme un cadeau. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Voilà, une belle surprise qui vient de la part de la famille. Voilà, en tout cas, j'espère, mes chers amis Sagittaires, que vous avez, bien sûr, apprécié ce tirage. Et je vous souhaite, bien sûr, une très très belle semaine.
Au revoir.